Une chanteuse qui prend de la hauteur. Quand elle n'est pas en studio, sur le grand écran ou sur le tournage de The Voice Kids, Louane se lance quelques défis. Face aux caméras de Vogue, qu'elle avait laissé entrer chez elle, la chanteuse de 27 ans avait expliqué qu'elle devait faire des cabrioles pour chercher sa récompense gagnée pour son rôle dans La Famille Bélier. C'est hyper chelou. Mais j'ai caché tout ce que j'ai gagné dans ma vie dans l'armoire qui est derrière. Là-haut, dans le coin, il y a mon César, mais il ne se voit pas parce que je suis toujours hyper mal à l'aise avec ça. Mais désormais, la maman d'Esmé pourra aisément atteindre son trophée perché grâce à sa nouvelle pratique sportive, l'escalade. Vendredi 8 décembre, l'interprète de Je vole s'est ainsi dévoilée dans une étonnante posture à travers une photo publiée en story Instagram. En effet, la moitié du musicien Florian Rossi s'est fait immortaliser en tenue de sport, attaché à un harnais afin de grimper un impressionnant mur jonché de prises d'escalade plus ou moins larges. Vous voyez ou pas que j'étais à bout alors que c'est la plus facile de la salle, a-t-elle ainsi ironisé. Peu de temps après, l'artiste s'est pourtant affiché avec davantage d'aisance en déclarant avec fierté, « Mais je suis contente parce que j'en ai quand même validé deux. » Supérieur à supérieur à Louane, retour sur son évolution physique et ses plus belles coiffures. Est-ce Louane attaquée sur son physique quand elle n'est pas perchée sur un mur d'escalade? Louane apprécie courir. Sportive dans l'âme, la jolie blonde découverte à l'adolescence dans le télécrochet The Voice est pourtant régulièrement victime d'attaques au sujet de son physique. Invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine, Danser à vous, sur France 5, en juin 2021, elle avait accepté d'évoquer ses remarques déplacées. Honnêtement, à aucun moment je suis arrivée en disant que j'étais mannequin, avait-elle d'abord tenu à rappeler en écho à ses débuts sur le petit écran. La jeune femme a pourtant admis être parfois bouleversée par ses mots durs envers sa personne, « Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, ce serait faux. Mais ça ne me touche pas longtemps. » Et de conclure en se désolant, « Après, moi, je suis triste pour les gens qui passent leur temps à faire ça. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Rind Off Board. Just need